tous les amis, c'est Valmore 333, je suis pas tout seul bien sûr, puisque vous reconnaissez ce jeu, nous sommes sur Evenly Bodies en compagnie de... Fanny, salut. Voilà, donc nous allons terminer nos activités de nettoyage qui pour le jour précédent ressemblait plus à une punition qu'autre chose. Jour 6, avant-dernier jour, on arrive à la fin de ce DLC. Attention, c'est parti. Je rappelle que Fanny est le petit bonhomme bleu et moi je suis déguisé en pompier de l'espace. Attends, tu vas trop vite. Toujours. Alors, une nouvelle extension de la station de signalisation a été livrée à la station en vue de son installation. Ça fait beaucoup de sions. Mais ok. Donc on va aller la récupérer, c'était un enfer la dernière fois. Une fois installé, utilisez la station de signalisation pour localiser et récupérer les données des terminaux de communication restants. Les espèces de fausses stations qu'on avait été voir là la dernière fois, il y a un petit moment là. Je sais. Ok, c'est tout. Ok, je prends le manuel d'utilisation. Que dit-il ? Ah oui, pour l'instant c'est vraiment La péteuse. Ah, si, c'est la péteuse. Il nous faut les autres appareils pour les brancher et récupérer les données. Mais cette fois-ci, on va pas récupérer les données directement sur les terminaux, on va utiliser la station pour les récupérer. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit y aller et un qui doit potentiellement rester. À voir. Parce que normalement, on peut pas s'éloigner. Bah oui, non, tu peux pas. On va voir ça. Parfait. Gérer les conséquences de la destruction de HB01. On avait bien compris que Houston cherche à nous punir. Mais ce n'était pas notre faute. J'ai glissé chef, c'est ce qu'on a dit en rentrant sur Terre. Alors si j'utilise pas les bonnes touches, effectivement on va pas s'en sortir. Attends, ouais, je suis en bleu, on est d'accord. Oui, non mais c'est parce que j'utilisais les bumpers au lieu des gâchettes, moi. Par contre, on va où là? On va peut-être chercher des outils. Ah oui, c'est vrai. T'es tout à fait très juste. Bravo Fanny. Toujours à l'écoute. Non, je plaisante, bien sûr. Sympa, merci. La péteuse, elle est pour moi. C'est mon outil. Je te laisse l'autre appareil dont tu es fan. Celui-là, là, au-dessus de moi. À côté de moi. Il demande du scotch, ouais. Je sais pas si on en aura besoin. Tu veux que je le prenne sur mon autre... Je le prends sur l'autre. Hop là. T'as vu ça maintenant, la technique qu'on a, là? On attrape tous les appareils au vol. Là, je suis bien outillé, là. Il nous demandait quoi d'autre? La péteuse et puis... Et le machin, oh, le machin à ondes, là, quel enfer. Ah, ça y est, je l'ai. Non, c'est juste le truc pour les signaux. L'espèce d'aimant, là. Regarde, il y est aussi. Non. L'espèce d'aimant. Si, il y a l'aimant là-haut. Mais non, c'est le truc à ondes. Après, c'est vrai que en bas... Mais ouais, mais moi, je prends par rapport à ce qu'ils disent là-haut en outils, tu vois. Ils mettent main, le machin, la péteuse, bah, le truc à aimant et le truc à étiquette. Oui, bah je vais le prendre. Parce qu'on va pas refaire de demi-tour, hein, c'est chiant. Mais tu vas t'encombrer avec ça. Hein. C'est un gros appareil. Oui, mais j'ai pas le choix. C'est un gros... On va les accrocher... Ah bah non, c'est vrai, on peut pas les accrocher au jetpack. J'oublie à chaque fois. On ne peut pas les accrocher. On ne peut pas les accrocher au jetpack. Si, tu peux. Non, tu peux pas. Ah oui, il faut pas ces petits crochets-là. Oui. Ouais, faut des fils pour les accrocher et c'est chiant, les fils. J'espère qu'on va pas avoir les lags qu'on avait la dernière fois. C'était un peu chiant. Donc là, faut qu'on aille dehors. Non, faut que j'aille d'abord chercher le module, non? Bah, c'est pas qu'on aille pas voir l'antenne. Comment je m'enfuis? Au revoir! Coup dur pour le spa! Il est là, mon module! Tu me rejoins, s'il te plaît? Attends, oui, je suis là. Oh, il est bien accroché en plus. Et là, comme je vois. Attends, je vais essayer quand même, même si je vois rien. On va essayer des choses. Tiens, tu le vois mieux là, il est peut-être accroché. Ah, voilà. Il est décroché, il y a un deuxième, il y a un deuxième. Hop là. Je te l'envoie le module. Pourquoi il y a un fusible? C'est celui qui... Ah si, faut l'enlever. C'est celui qui est pété. Non, mais on s'en fout. Non, faut pas en enlever les fusibles. Non, on s'en fout. Il est pété depuis le premier jour. Ah ouais? Rappelle-toi, c'était les premières manips qu'on avait fait. Ah. Réparer l'électricité. Il est toujours resté depuis, ce fusible cassé. Peut-être un jour il servira. Sinon, on pourrait le recycler, mais... nous n'en avons cure. Donc ça va où, alors? Je te le pousse. Bah, dehors, la station de signalisation. Donc, va falloir peut-être jetpacker. Donc, faut qu'on l'amène vers l'extérieur. Est-ce qu'on passerait pas par la sortie où il y a les outils? Il y a un jetpack, là, non? Oui, non, c'est
Tu veux rester à l'intérieur et faire la station de signalisation pour une fois, vu que c'est moi qui ai la péteuse? Ah, par contre, je suis coincé. Mais c'est ça qui est chiant quand tu portes des outils, c'est que tes bras, ils sont gênés des fois. Par les outils. Je nage, je nage. Alors, je te le pousse. Allez, allez, là-dedans, là-dedans, allez. Là-dedans. Quel enfer. C'est un peu plus facile, mais la station de signalisation, c'est pas là, hein, madame. Mais tu m'as dit... C'est à gauche, là, de là où je suis. Donc il faut que tu repasses, toi. T'inquiète, je vais gérer. Je vais gérer la... notre outil, là. On nous renvoie des modules, maintenant, ça y est. Ils ont de nouveau confiance en nous, Houston. Je l'attrape, comme ça, il va pas te... Bon, bah là, il te gêne, mais... Voilà, passe. Là, t'as assez pour passer, là. Ah, tu viens avec moi, finalement. Mais non, je voulais pas. Cela dit, tu peux ouvrir, hein. Mais laisse-moi passer. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Tu veux que je lâche... Merde, j'ai pas lâché le bon truc. C'est ça qu'il faut que je... Attends. Et tu peux pas passer de l'autre côté? Voilà, là, tu peux passer, là. Là, ça passe, là. Par contre, faut que tu me renvoies le truc qui se barre. Non, ne prends pas mon outil. Ne prends pas mon outil. Attends. Quelle horreur. Voilà. Je suis obligé de venir avec toi, quasiment, pour sortir, pour te faire sortir. C'est bon, là? Tu vas réussir à passer, faut que t'ailles tout droit par rapport à là où je suis. Bah non, c'est moi. Station de signalisation, c'est marqué sur les petits icônes, hein. C'est en haut. Enfin, en haut. À l'ouest maintenant. Allez, allez, allez. Voilà, on pousse, on bourre. Alors, tac. Et donc, tu dois faire quoi, moi, là, en fait? Tu dois attendre. Que j'ai remis le panneau. Bah, de toute façon, ça sert à rien qu'on soit deux pour le faire. Ce que t'aurais pu faire si t'étais passé avant, c'est m'enfermer à l'intérieur et puis que je puisse sortir. Ah bah, si là, je vais. Non, on a bien compris que c'était le merdier. Donne-moi le contrôle. Oh putain, il s'est mal mis en plus. Par rapport à la poignée. Non, elle se barre. Oh, quel enfer. Elle est en train de se foutre le camp. Essaie d'aller la récupérer. Oh non, ça va, elle s'est calée dans le... Par contre, il faut que tu me laisses le contrôle parce que ça va pas le faire. Allez, allez. Mais pourquoi j'ai pas de force comme ça? Bon bah viens, amène-la. Mais... Comment ça se fait que j'arrive plus à ouvrir les... Mais... Oh, quel enfer. Ah, quand même. Vas-y, jette-la-moi. Arrive tranquille, hein. T'aurais pu lui donner un petit à-coup, hein, un peu plus... Allez, viens là. Viens là. Là. Petit. Viens là. Petit. Hop là. Quand tu m'ouvres, faut que je m'accroche. Non. Je ferme, pour protéger. Hop. Voilà, et là, il y a la petite lumière qui m'indique que... Il n'y aura pas de dépressurisation. Par contre, les gars, il va s'envoler, hein. Non, il n'y a pas de dépressurisation, j'ai fermé l'autre porte. Donc on ne risque rien. Allez, viens par là, toi. Ça va aller, en petit? En petit, ouais, ça va le faire. Je vais le lâcher, je vais le laisser ici, et je vais revenir avec le 2G de pas que. J'aurais dû prendre un des câbles. Ouais. Sur lesquels il était accroché, j'aurais pu l'accrocher. Ça va être un peu chiant.
Non. Eh, nage. Là. Et quand tu te rapproches, c'est le principal. Là. J'ai eu les fesses qu'on fait bravo pendant un instant, là. Oui. Non, parce que... Tac. Hop. Faut juste que je le place correctement. Je peux pas l'accrocher non. Sans le... Non, il me fait un câble. Sans câble, le crochet est trop gros. Puis t'as pas de mousqueton. Si, y en a sur le... Mais ils sont trop petits. Ces machins-là. En fait, à deux, c'était pas si mal que ça. Je l'ai dit, non ? Tu vas le faire, regarde ça. Professionnel. Alors par contre, c'est de quel côté? Ah oui, c'est la partie où il faut ouvrir. Là. Donc c'est ici. Cale-toi contre le truc, là. Paf. Voilà. Faut d'abord que tu l'ouvres. Oui, mais c'est pas grave. On va le faire. Avec la pèteuse. Alors attends, c'est pas avec la pèteuse qu'on ouvre. Si. Non, c'est avec la pèteuse qu'on le met, je crois. Et je vois pas de boulon, là. Donc, Ah si, y en a peut-être... Si, il y en a. T'as raison. Bon, une fois n'est pas coutume, Fanny a raison. Mais... C'est méchant, c'est toi. Bon, tu bouges pas, hein. Je bouge pas. Non, je... pas toi, lui. Voilà. Là, il bouge encore un peu, hein. Mais c'est pas grave. Avec... De toute façon, t'es à côté, tu veux qu'il aille où? Alors, j'ai besoin de la ça. Pétose. Clac. Non, lâche ça. Lâche ça. Ah, quel enfer. Merci. Hop là. Attends, faut que je l'accroche. Là. Non, ne touche pas ça. Voilà. Toi, tu te dégages. Tu dégages, j'ai dit. Ah non, si elle peut t'enlever carrément le truc. Oui, remarque, si elle peut y aller directement tout en enlevant la saloperie, on va pas dire non. On va essayer de... Ça va dégager, oui. Je pense que c'est peut-être aimanté. Ouais, ça a l'air aimanté parce que ça a l'air d'être attiré automatiquement. Prends une tapeteuse, au pire. Alors attends. La technique. Bah, c'est facile à dire, voilà. Désolé, on remet des déchets. Oh, j'espère qu'ils vont pas nous demander de les détruire. C'est bon, quel enfer. Donc ça s'est mis tout seul. Attends, tu me laisses pas le contrôle. Quel enfer. Hop, je m'accroche. Ma pèteuse là. Hop là! T'as vu un peu la technique? Alors on est bon là, je vois rien avec le message. Installer le nouveau module. Utiliser la station de signalisation améliorée pour examiner la zone. Alors maintenant, elle est améliorée. Donc vas-y, va dedans. Je reste là. Je bouge pas, je te laisse le contrôle. C'est là. Ouais, c'est là-dedans. Alors, elle est améliorée maintenant. Ah oui, on peut aller encore un peu plus loin. La portée du signal a augmenté. Il y a le truc là sur la gauche, et il y a le truc en haut, et il y a un truc en bas. Ok. Vous pouvez désormais explorer une plus grande partie de la station. Bah, de ce qu'il en reste, surtout. Donc, ce truc là, ok. Récupérer les données. Elles sont où? Vas-y, montre de plus près. Avec le zoom. La gâchette. Oui, mais comment on y accède? Alors attends, ok, c'est dans une petite pièce qui est là. Ouais. Tu passes par... Ouais, par mais je veux savoir les outils dont on va avoir besoin pour y aller. Ah bah ça, après je sais pas. Bah il faut regarder, là on peut le voir d'ici. Donc on rentre comment? Tu rentres par là,
faites un trou là. Non, 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 tu sais très bien que ça marche pas, généralement. Là, t'as une manivelle. Ouais. Ouais. Là, t'as un fusible. Ouais. Peut-être. Qui est inaccessible, d'ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les autres pièces? Là, t'as un autre fusible, peut-être. Des zooms à un chouïa. Ah, on peut rentrer par là. Mais ouais. Le truc est... Il n'y a là, pas de fusible. Là, t'as un truc, mais je sais pas c'est quoi. Alors, va dessus. Faire... Ils vont te le dire, ce que c'est. Non, je ne sais pas. Peut-être après, peut-être okay. Dans d'autres missions. Ouais, je pense que tu dois rentrer par là. Ouais, à mon avis, ouais, c'est le seul accès possible. Mais je pense que tu dois peut-être tourner là. Il y a besoin d'une péteuse là, regarde. Ouais, j'ai vu. Il y a des écrous, elle est accrochée, l'espèce de centrifugeuse. Ouais, je pense que tu dois peut-être la tourner avec le truc à aimant. Ouais. Tu vois. Et elle bloque l'espèce de truc là à côté. Il faut peut-être mettre un fusible ou un truc dans le genre. Bon, quoi qu'il en soit, je vais y aller. Le deuxième, il était en tout au nord de la station. Tout au nord de la station. Là. Dans cet angle-là. Voilà. Oh, celui-là, il est facile. On peut peut-être y aller dès le début. Fais voir comment on y accède à celui-là. Ah, c'est là qu'ils nous disent qu'on a besoin de... Là, t'as un fil. De gaffeur. Qui va là, sûrement. Et lui... Du duct tape. Il se branche là. Juste là, le câble. Oui, et pense. Celui-là, là, est noir. Ah bah, il faudra éteindre l'intérieur, de toute façon. Mais comment on y accède, du coup, par la porte qui est là, je suppose. Mais comment on va la déverrouiller, cette porte? Bon, on verra quand on y sera. Le dernier? En tout cas, il va falloir qu'on y aille à deux, je pense. Hein. Parce qu'on a besoin de beaucoup d'outils. T'es sûr que c'était celle-là? Ah, c'est moi! J'étais en train de m'enfuir. Ok. C'est l'électricité aussi. Ok. Moi. Oui, non, mais moi je veux savoir comment on entre là-dedans. Oui, ok, ok, ok. Mais là, ça nécessite que tu sois déjà à l'intérieur. Comment tu rentres à l'origine dedans? Par là, mais il n'y a pas de manette pour ouvrir la porte. Donc, ça va être compliqué. Peut-être plus par là. Là, il y a un trou. Bah oui, mais là aussi, hein. Il a l'air d'avoir un trou. Non. Si. Oui, mais là, il y a une porte qui ne pourra pas s'ouvrir de l'extérieur. Si, c'est comme celle de... Elles sont rouges, celles-là. C'est des rouges, celles-là, ouais. Avec les flèches. Par contre, ça rentre vite. On verra. Vas-y, ça sort de là. Parce que là, je sais pas où est mon bonhomme. Ah, je suis là. Je suis à côté de la station. Tu me rejoins? Tu passes par là où je suis. Dans le tuyau, là où je suis. Allez, Fanny. On est objectivé sur le timing qu'on prend, parce qu'au bout d'un certain moment, comme on l'a constaté lors de la session précédente, le jeu se met à ramer pour pas grand-chose. Alors, est-ce que c'était les panneaux solaires qui faisaient ça? Parce qu'on a pas mal pris de temps avec les panneaux solaires la dernière fois. Rappelez-vous, hein, si vous ne l'avez pas vu la vidéo, bien sûr, je vous invite à la regarder. À vous abonner également, c'est d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, les amis, à laisser le pouce bleu, le commentaire qui va bien, bien sûr. N'hésitez, ne ratez pas mon live Twitch sur... Alors, c'est une petite surprise, le jeu qu'on va faire, mais ne le ratez pas, ce sera samedi 23 décembre, premier live Twitch, les amis. À quelle heure? Ne le ratez pas, vous avez l'heure sur Twitch, donc ne la ratez pas. L'heure est sur Twitch. Allez voir sur Twitch, alors. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur Twitch, il y a mon programme, tout est prévu. J'ai juste pas indiqué le jeu pour l'instant. Ah, ça c'était l'erreur à ne pas faire, de ne pas fermer derrière toi. Bon, tu peux y aller, c'est la recycleuse. Par contre, il y a tout notre air qui va dégager. Tu peux les rouvrir ces portes-là, non? Juste en les faisant glisser, je crois. Ah non, faut que je le trouve de l'extérieur. Attends, je le fais. Eh... Alors j'espère que tu vas pas t'envoler par contre. Je suis approché. Non, c'est bon. C'est bon, l'air est déjà parti. Tiens, accroche-toi à moi. Hop là, je t'emmène à ta navette. Ah, avec l'inertie. Eh, on commence par celle qui est là-haut là. Donc ça, c'est quoi, là? On sait pas.
Il y a des boulons là-dessus, j'ai l'impression. Ah, il y a peut-être une pétose. Je sais pas ce que c'est. Essaye avec ton boulon. Ouais, attends. Eh, on est pas là pour rien, hein. Aide-moi. 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 Là, il bouge ce salopio en plus. Tiens, par le bas, par le bas. Direct dedans, direct dedans. Schlack. Non, j'ai lâché. Ma péteuse. Attends, bouge pas. Arrête de bouger. Arrête de le faire bouger aussi. C'est si je perds la péteuse. Si je perds la péteuse. Elle est à côté. Déstresse. Ma péteuse. Ma péteuse. Le meilleur outil. Le meilleur outil. Je l'ai, c'est bon. Viens me chercher. Vers le haut. Je m'amène dans cette direction-là. Les musiques font penser un peu à Space Haven. Il faut qu'on en refasse, les amis du Space Haven. Ce jeu, il est qualitatif. Ah non, si tu me laisses pas, si tu me laisses pas. Tu le fais fuir, tu fais fuir l'astéroïde. Mais 2 secondes, t'es marrant, toi. Mais non. Attends, faut qu'on le ralentisse parce qu'il se barre, là. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Retourne vers la station. Voilà. Alors attends. On va le faire ralentir. Tranquillement. Tranquillement. Hop. Putain. Peut-être que ça s'enlève. Mais faut qu'on récupère ce truc, c'est quoi? Je pense que c'est un outil pour la machine. Ah! Ouais, un endroit où les objets de collection. Ah, c'est un objet, c'est un collectible. Attends, je t'ouvre. Tiens, accroche-toi à moi. Voilà, je vais nous ouvrir. Évite de trop te gesticuler. Le jette-le là-dedans. Oui. Il va pas se barrer de toute façon. Un petit coup de pied, regarde. Tac. Oui, mais il va pas se barrer jusque là-bas. Il va se mettre dans un coin et il va y rester. Allez, la station. C'est parti. Elle doit être dans ce coin-là, je crois. Là. Alors, comment on l'ouvre ce truc? Comment on ouvre ce truc? J'ai jeté le câble. Ah, tu crois qu'en branchant ça va? Je sais pas. Peut-être, c'est, ouais. Si y a des fils, c'est qu'il y a une. Par contre, on va peut-être l'empêcher de bouger. Parce qu'il tourne sur lui-même ce truc. Allez, vas-y. Qu'est-ce que ça a changé? Ah oui, il faut le gaffeur, le gaffeur. C'est peut-être ça aussi qui pose problème. Hop là. Gaffeur. Si ça veut bien. Hop. Hop là. Merde, j'ai tout retiré. Hop là. T'as vu ça un peu? Schlack. Fuite réparée. Mais c'est pas ça qui le fait mieux. Non, par contre, il y a le fil. Ah, mais on n'a pas besoin de rentrer dans celui-là. C'est pour ça qu'il faut que tu utilises le. Il faut qu'avec ta machine là, et tu le mettes. Tu mettes le petit câble. Là, là. Que tu branches le petit câble bleu, je pense. Bah, si pourtant il y a des boulons. On doit pouvoir rentrer là-dedans. À mon avis.
Non, tu dois prendre la prise rouge là et la brancher mais ici, oui, je pense. Mais je te l'ai dit depuis tout à l'heure. Eh ben fais-le avec ton appareil là. Tu veux t'accrocher à moi pour le faire? Non, non. Est-ce que tu peux t'accrocher à moi au pire? Je t'amène. Donc garde-le dans la main. T'as pas fait Y, j'espère. Ouais, non. Tu m'as pris mon appareil. Tu m'as pris ma péteuse. Attends, bouge pas. Je l'ai. Lâche. Ma péteuse. Qu'est-ce que t'as fait? Mais bon. Ah, c'est que je te donne la main, tu te barres. Il arrête pas de tourner sur lui-même, ce truc-là, en plus. La machine. Bah, tu veux pas t'accrocher à moi? Tu veux le faire... D'abord, accroche-toi à moi. D'abord. T'es sûr que tu veux faire avec cette main-là? C'est avec l'autre, plutôt. Ta main droite. C'est avec ta main droite que tu m'accroches. Et moi je viens te chercher au pire, je te prends pas la tête. Allez, voilà. La main gauche, et je te place convenablement. Ça a pas l'air de la tirer le fil. Attends, je vais t'amener un peu plus près. Ça a pas l'air de la tirer le fil. Ça attire que l'espèce de câble. Donc là, on doit pouvoir rentrer par un autre moyen. Ah, attends, peut-être que tu peux décapsuler le machin avec ça. Ça, tu peux peut-être le décapsuler. Non, ça veut pas décapsuler. Comment on l'ouvre ce truc? Attends, je vais m'accrocher. Un truc à faire là. Attends, pousse-toi. Faut que je m'accroche. Faut avoir un peu plus de force. Tu me gênes là, tu me gênes. En plus, tu me tiens. Allez, on peut pas le décapsuler ce truc là. Donc t'arrives à l'attirer quand même. C'est pas fou hein. Ça bouge pas hein. Ou alors il nous faut un câble et il faut qu'on aille qu'on arrache les trucs sur les côtés là. Bah peut-être mais t'as tout jeté. Ouais, j'ai jeté le câble. Je vais m'éloigner pour voir s'il est pas dans le coin. Non, j'ai pas l'impression. Je vais chercher un câble. Où est-ce qu'on en a? Dans la recycleuse, il y en a. Tu viens pas? Non, je sais. Mais moi, du coup, je vois que dalle. Où est-ce que je suis, là? Ah, ok. J'y suis. Là, il y a un câble. Je vais le prendre. Tiens, il y en a un qui traîne... Il y en a un qui s'est coincé dans la porte. Il y en a un qui traîne ici. Je vais accrocher, s'il veut bien. De l'autre côté, ça sera peut-être mieux. C'est chiant quand t'attrapes pas le bout. Ça veut pas. Ça veut pas parce que je n'attrape pas le bout. Donnez-moi le bout. Voilà. Petit mousqueton. Schlack. Allez hop, j'embarque ça. Un seul suffira, on va faire un par un, au pire. Il y en avait qu'un, hein, demi. J'aurais peut-être pas dû m'en débarrasser si vite. Oh putain, je l'ai presque placé nickel. Alors attends. Non, évite de l'attirer. Ça va être problématique. Je vais essayer de l'attraper. Viens par là. Viens par là. Tiens. Non, l'autre. Non, l'autre. L'autre. Je l'ai. Viens me... chercher. Ah, devant. Pas trop vite, pas trop vite. Doucement.
Doucement. Doucement. C'est bon. Non, on peut pas les arracher. Attends, je mets de la force. Comment on peut rentrer là-dedans? Quel enfer. Ah oui, j'avais pas vu, effectivement. Eh ben, on aurait pu attendre longtemps avant de trouver. Autant pour moi. Je sais pas si ça. Bah déjà, si on les répare pas, je pense que ça va poser problème. Aussi, Il y a une fuite en bas. Putain, mais il y en a partout, mais c'est quoi cet enfer? J'ai mis la dose. Le duct tape. Parce que bien sûr, les amis, le scotch dans l'espace, il n'y a rien de mieux. Surtout dans ce genre de situation, c'est pas comme si l'espace n'était pas du tout hostile, bien sûr. Par contre, on rentre peut-être pas avec tout notre bardane. Ça passe, mais tout juste. Bon. Range la prise. Attends, je sais ce que je vais faire. Bouge pas. Hop là. J'y vais. 100. Non, dégage. Dégage le jet. Empêche-le juste de se barrer si jamais il se barre. Oui, mais il se barrera pas, je pense. Normalement, il est à l'entrée. Il passe. Il passe même, ouais. Oh là là, t'as vu ça? Ce jet de la main. Ouvre la porte. Allez. Non, y a ta tête. Attends, je vais faire un jet comme ça, là. Alors, de quoi j'ai besoin? De la zapette. Donc là, c'est toi qui dois rentrer. Attends, le truc bleu, faut peut-être le brancher, non? Bah, je sais pas. Mais où? C'est ça, toi. Elle est où, la prise bleue? En fait, t'as besoin de... Est-ce qu'il faut qu'on les récupère? Récupérer les terminaux de communication dans la zone environnante. Récupérer les terminaux de communication 5, 6 et 4. Donc... La péteuse que j'ai laissée sur mon machin. Attends, donne-moi le contrôle de la caméra. Salut toi. Hop moi, là. Par contre, tu peux pas rentrer avec une... Ah, ça passe pas. Ah, oui, bah oui, mais toi, t'as les gros trucs aussi. Mais ça tombe bien parce qu'on en a pas vraiment besoin. Bah si, faut quand même que je branche... Bah pour l'instant, on peut pas. Y'a rien pour la brancher ici. Si, le fil, il va... Non. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que tu le branches. Mais oui. Il te l'indique, l'écran. Donc en soi, on aurait pu le faire. T'aurais pu rentrer, en fait, pour le faire. Parce que je vois pas trop l'intérêt de le décrocher, mais on va le décrocher, vu qu'on peut. Ou peut-être le sortir, je sais pas. Il nous demande de le récupérer, c'est notre objectif. Il nous demande pas de... Merde.